Et bonjour les amis, coucou, c'est Chaka, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous avez la forme. On est de retour aujourd'hui sur Sea of Thieves en ce vendredi. Donc on est reparti pour une petite aventure. Alors je commence dans la cale, hein, toujours, hein, c'est plus sympa la cale. donc voilà, je voulais vous montrer la nouvelle figure de poux qui a été rajoutée. Hop, bon, bah, ça sera dans l'eau que je vous la montrerai. Voilà, donc qui a été rajoutée sur la dernière mise à jour de contenu. Qui intègre des nouveaux défis qui vont être des squelettes avec des barils de poudre. Donc ça va être toujours dans l'esprit des fonds de cale, hein, donc ça va être toujours sur cette cette petite onglet qu'il y a dans l'onglet de menu. Et ici vous voyez donc que vous avez différents défis, vous avez une page de défis à faire complète. Avec des squelettes à tuer dans certaines conditions, et tout ça en jouant avec des barils de poudre. Donc on verra tout ça au fur et à mesure du live, mais en gros, grosso modo, je vous montre les principaux. Donc là, vous avez tuer des trois squelettes avec en tirant sur un squelette explosif. Donc là, c'est trois squelettes tout court. Je vais me faire bouffer. Il y a un requin. Je vais me faire bouffer. On va pas commencer le live en se faisant bouffer quoi. Donc voilà, j'en étais où. Donc des squelettes tout court. Ici vous avez les squelettes d'or, les squelettes. Alors non, ça c'est des réactions en chaîne avec plusieurs squelettes explosifs. Vous avez la même chose avec les ceux en or, en l'ombre, etc., etc. Bref, voilà. En gros, il va falloir faire de l'explosif. Et ce soir, je suis en compagnie de Zeb, le détonateur de squelettes. Salut, salut. Et oui, c'est marqué sur sa tête. Pourquoi t'es venu me chercher dès le début du live, là? Saligo. Du coup, je vais aller chercher des missions, du coup. Mais c'est bon, c'est prêt. Ouais, mais je vais en prendre aussi au cas où. On sait jamais si elles sont rapides. J'y crois pas trop, mais... Donc, du coup, à l'heure actuelle... les missions les plus intéressantes, ce sont donc bien celles-ci. Vu qu'il nous faut des squelettes à gogo. Voilà. Hop. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme contenu rajouté? Alors, il y a eu ça. Le pistolet fond de cale. Donc, ça, c'est le tromblon. Et je dois avoir le sniper en stock qui doit être ici. Voilà, le sniper pareil de désosseur, comme ils disent. Il y a la même chose, donc bien sûr, avec l'épée et le pistolet, je ne les ai pas pris. Et pour les acheter, il va falloir la fameuse monnaie qu'on déclenche lors de ces missions. Vous voyez ici, par exemple, hop, quand on réussit celle-ci, alors là, ça ne le marque pas. Si, là, voilà, en tout petit, vous ne devez pas le voir. C'est juste en dessous, là, ça me donne 5 pièces ici, là, ça va être 10, 5, 10, 5, 10, etc., etc. Et celle-ci, la plus difficile, c'est 20. Voilà, voilà. Pourquoi t'as éteint la lumière? On n'y voit plus rien. Ok, bah écoutez, on est parti. On est parti. D'un coup, faut voter. Une seule carte, il faut aller à Devil's Ridge. C'est en dessous? Ouais, c'est là. Alors cette vidéo n'est pas un tuto, c'est un live et on va juste s'éclater et se faire éclater. C'est quoi la direction que tu m'as dit? Sud. Sud, ok. T'as la température là? Il est où le thermomètre? 31 degrés. Oh ça va 31. Petit joueur. Ouais. Ça va, ça va. J'ai pas regardé moi, il fait combien? 33 en quart d'heure. Allez, tournicotis. On est parti. Donc après, ça c'est des impressions parce que je n'ai pas vu d'informations là-dessus.
Quand on est en haute mer, j'ai l'impression qu'on est que les mers, les vagues sont plus hautes. Je vais baisser peut-être un peu, c'est peut-être un peu fort. Et du coup, on voit, on est vraiment obligé d'utiliser la vigie parce que voilà, vous voyez, dès qu'on est en haute mer, là, les vagues, elles sont vachement plus hautes, on voit plus l'horizon. Du coup, si on va pas à la vigie, bah, on voit pas ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai remarqué aussi que Zeb, il est plus souvent dans la vigie. Les requins sont bien sûr toujours là. Les requins blancs, ils viennent nous attaquer de temps en temps. Peut-être pas là tout de suite, hein. Mmh. Et bienvenue, Psychopatata. Ah si, il est derrière. Il est derrière? Ouais. Oh oh, ah oui. Voilà, va-t'en. Va-t'en, je t'ai dit. Il va se prendre son boulet. Et il est où? Et il a fait le tour très rapidement. Je l'ai pas vu. Bah, on va se cracher. Mais non. On va juste éviter le requin. Je crois qu'il nous fonce dessus là. On va arriver en... Ah c'est bon. En zone d'eau basse, donc je pense pas qu'il va nous suivre. Ancre. Il nous attend. Il nous attend, je le vois là-bas. Il est là-bas, le coquin. Bon. Bah allons chasser du squelette. C'est calme. Oui, c'est trop calme. Ah, un cochon. C'est beaucoup, beaucoup trop calme. J'aime pas ça. Alors ici, il y a des munitions s'il faut. Où est-ce qu'ils sont? Là, en face. Ah, mince. Ça va être loin pour les munitions. Bien que, ça va encore. Et encore que. Est-ce que c'est bien eux? Il y a du... Ah, si. Et de la musique. Ouais, et il y a... Alors, attends, est-ce ton snipe? Non, mais j'ai ça. Ah, je l'ai touché, mais c'est, je l'ai pas pété. Ah, raté. GG. Hop, et ben voilà. Promotion obtenue détonateur de squelettes floraux. Plus 5 crédits. Comme ça, au moins, vous l'aurez vu. Bonjour, toi. Ah, il est... J'en ai loupé un. Tant que t'en as eu 3, c'était le principal. Tu feras gaffe, par là, il y a... Ça arrive. Oh là. Ouh là 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 là. Acier. Bah, c'est mieux. Boum! Allez! Ça, c'est fait. Ça arrive. Hop. Il est derrière, il est derrière. Ouais, il est derrière, il est derrière. Et il court bon, pas. Là. Bah, go, 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 go. Vas-y. Boum! Yes! Aïe. Ah! Laisse-moi recharger. Bah viens vers moi. Recule, recule, recule. Oh recule. Putain. Cours, 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 Forest. Wouhou. Ah c'est... pas terrible, mais bon. Il me reste une balle. Allez pour sa gueule et je me casse. Au revoir Zeb. Alors où est-ce que j'ai vu les munitions? C'était pas là? Ah si, c'est là. Rechargement, rechargement.
Me revelin. Oula. Hey, ils sont deux. Raté. Désolé Zeb. Ouais bah c'est le problème, voilà. Le faire tout seul, ça c'est devenu très 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 compliqué. Ouais. Donc de temps en temps, bah pas hésiter à se sacrifier. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi tu veux un coup de trombone? Tiens, non ta tronche. Ah mince, j'ai déjà bouffé toutes mes munes. Celui-là c'est fait. Restez toujours, toujours en mouvement parce que... ils sont... vous voyez, même en mouvement, ils sont quand même vachement plus précis qu'avant. Ah. Et les bananes sont vos amis, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Alors j'ai déclenché la vague suivante, mais j'ai plus de munitions, je suis reparti en arrière. Je vais arriver à côté du truc de munitions. Est-ce qu'il y a des bananes? Je veux des bananes! Ah oui, il y a aussi une chose qui a été rajoutée sur cette mise à jour, c'est que si vous avez plus rien, il y a pas de bananes, merde, dans le bateau, le minimum vital va se remettre automatiquement en fait dans les caisses. Par contre, j'ai pas de bananes, j'ai plus de vie. Ah, peut-être dans la grotte. Y a pas de bombe là. Attends. Je veux des bananes. À la recherche de la banane perdue. Là, peut-être. Yes. Allez, banane. Ouais, banane. Ok, j'arrive. Attends-moi, Zeb. J'arrive. Je suis de l'autre côté des rochers. Hein. Ah bah, vache. Et ils ont pas de baril? Non. Oui. Aïe, ils font mal. Je les ai séparés normalement. Alors je sais pas si c'est juste pour les vents ou si ça va être définitif, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même beaucoup plus violents qu'avant. Ah oui, carrément. Wouhouhou. Il y a plus de défis. Ah. T'es passé où toi? Je reviens. Aïe. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Ça craint. Ça craint. La banane. La banane. La banane. Bah t'es passé où? Aïe. Je veux des munitions. Ah ça c'est le problème quand on prend pas d'épée. On a intérêt à vite repérer l'endroit le plus proche pour recharger et pas se tromper de chemin. Et voilà, je me suis trompé de chemin. Merdouille. En 1 sur 3. Ah. Ah, je crois que t'as pas survécu à celle-là, vu ton cri. Deux coups de tromblon à la tête. Alors, où est-ce que c'est déjà? Les munitions. Ah, bah, y en a là. Alors, où est-ce qu'ils sont passés? Sur l'autre plage. Ah, j'en vois un là-bas.
Pourquoi il a pas de nom au-dessus, lui? Peut-être qu'il a juste pas. Non, il y avait trois capitaines et un ou deux sans nom. J'en entends un qui me poursuit. Ah putain, le tromblon à bout portant, ça l'a pas tué. Non, non. Mange la banane, mange la banane. Oh, punaise. Je lui ai mis les deux chargeurs, il était pas mort. Je crois que je vais arrêter le coup des deux armes. Bon, j'ai deux crânes ici. Et j'ai le troisième là. Ouh. Eh bien. Chapitre 2. Nous devons aller à Kutlaskré. Kutlaskré. T'as pris le premier, t'es allé au bateau? Ouais. Ok, j'en pose un sur la poche pour pas qu'on le rate. Et je prends le deuxième. Ça, par contre, c'est dommage, on peut pas, quand on a un crâne dans les mains, on peut pas interagir avec, avec les caisses de munitions, les caisses de bananes. Hop là, boum. Hop hop. Crâne déposé. Je sais pas si le requin blanc il aurait encore attendu. Je pense pas quand même. Non, je crois pas. Je t'aurais bien dit de prendre la caisse à cochon, mais vu les stocks de bananes. Oui, vaut mieux éviter, ouais. Puis pour juste que ça va nous rapporter. Pas de requin en vue. Ok. J'ai deux squelettes à mes trousses. Ok. Ce serait bien qu'il y en ait un qui ait un baril. Non, non. Il est où le deuxième? Il n'a pas suivi. Donc, il faut qu'on parte nord-ouest. T'as ramené les deux? Oui. Ah, tu les as mis là, ok. Ouais, on est parti. Alors, il y a un truc qui est sympa aussi qu'ils ont rajouté. En fait, quand on fait péter un baril de poudre proche d'un bateau ou quand on se prend un boulet de canon, le bateau réagit. C'est-à-dire que il se prend un souffle, quoi. Et c'est assez sympa. L'effet est vraiment bien fait.
C'est déstabilisant la première fois. Ouais. Alors... Tu pourrais aller un chouïa à bâbord. Un gros chouïa alors. Ouais, je crois pas que ce soit celle-là. Hein. C'est celle qui est derrière. C'est derrière le rocher, là, je pense. Ou... Ah non, ça doit être un petit peu plus à droite. À gauche, à droite, non. Ouais. Ça doit être l'île qui dépasse à peine. Là, là voilà, devant. Là. Et nous voici en approche. Alors, où qu'ils sont ? L'île n'étant pas gigantissime. Ah, je les vois, je les vois. Encre. C'était un peu tard. Alors, on va troquer le tromblon par le snipe et l'épée. C'est des métalliques. Ici. Attention, recule, recule, recule. Oui. Ah, t'essaies de les rattraper. Ouais. Fais gaffe au serpent. Encore. Merde. Et les 4. Wow. Cette angouille. Ah oui, mais ah non, non, l'encre, tu l'as pas enlevée. On s'est fait pousser par le souffle. Truc de fou. Aïe. C'est des ombres. Ah bah, un zep de moins. Bah ouais. Bah ouais, t'aurais dû te mettre à l'abri, je les aurais tirés. Pour les rassembler, je peux pas me mettre à l'abri. Bah si, une fois que t'es à l'eau... Une fois que t'es à l'eau, ils vont essayer de te tirer, mais pas plus, quoi. Voilà. Hop.
Est-ce qu'il faut que j'y retourne? Je pense, ouais. Ah, saligo. Reviens là, je t'ai vu. Reviens! Reviens! Oh, comme il s'est enfui, cet enfoiré. Métallique. C'est bon, ils arrivent. Raté. Il est loin. Bon, ça passe. Ça, c'est fait. Je vais reprendre des balles. Ah, et en plus, hop, encore des crédits. Des ombres. Des ombres, c'est con, il fait nuit. Y a pas de détonateur. Ah. Non, mais y a le chef. Hop. Vas-y, vas-y, j'éclaire. Celui qui a le fusil en premier. Il y avait le pistolet aussi. Ouais. Hop. Nickel. On va faire le plein de bananes. S'il y en a. Planche, boulet de canon. Dernier chapitre. Banane. Écharpe et corps. Banane. Je crois que depuis que cette extension est sortie, on n'a jamais utilisé autant de bananes. Il reste encore 4 tonneaux de bananes pleins. On a aussi fait le plein de planches et de boulets. Hop là. Pas un coffre, pas une petite relique. Rien. Que dalle. La misère. Ouais, mais t'en as pris des bananes? Oui, un petit peu. Alors, l'étape suivante, ça va être d'aller où? Shark Bay Cove. Shark Bay Cove. Allons à Shark Bay Cove. Oh, il en reste une, je sais pas l'aller-retour. Ouais, bah non. Shark Bay Cove. Donc là, est. Non, ouest, pardon. Je croyais que j'étais encore avec la carte à l'envers. Ouest et après sud-ouest. Le galion en approche. Bah voilà. On a un crâne qui vaut cher, je crois. Oui. Bah prépare-toi à aller le vendre. Je vais passer à côté de Plunder. Là.
s'est perdu de vue. De quoi, le galion? Ah, on peut même plus faire de la musique tranquille. Ça dérive en permanence. Il s'est arrêté. Ça me va bien. Donc ça, on aura le temps de vendre. Optimisons nos passages. On risque de tout perdre, hein. Des sous, des sous, des sous. Hop là. Non, c'est pas là. Non. Et 850. 448. 1002. 1003 même. J'ai raté l'entrée. Hop là, et le dernier 682. Ça va. Ça va, c'est... Ah bah d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Bah t'avais un crâne d'or et trois crânes de d'argent. Ouais. T'es parti vendre quelque chose? Baril de poudre. Ah. Toujours. Ouest, sud-est, ouest. Ouais, ouais, je suis en train de pivoter dessus. Ça sera mieux pour le vent en plus. Ça va être un peu tard, je crois. Comment? Ça va être tard, ça va être tard, ça va être tard, ça va être tard, ça va être tard. Oui. Qu'est-ce que t'as vu? Des barils. Des barils là. Faire nager un petit peu. Fais gaffe aux requins, hein. J'étais encore full banane. En plus. C'est... Ouais, c'est pour ça que j'ai ça m'a pris un peu de temps de tout vider. Je crois que le requin géant ne s'attaque qu'au bateau. Oui, mais les petits requins, ils sont toujours là. Hein.
Galion, tribord avant. Ouais, ce que je voulais regarder depuis tout à l'heure. De loin, on les voit pas les drapeaux. Non. J'espère qu'ils s'arrêtent pas à la même île que nous. J'espère aussi. On va dire qu'il va à Plunder. Hein? Mmh. Hein? N'est-ce pas? Ou pas? Ou pas. Toujours en marche. On joue à cache-cache. Il me voit, il me voit pas, il me voit, il me voit pas. Ouais, je le vois, j'ai vu ses mains. Il y a toujours le campement du mec, mais il n'y est plus là. Hein. Ils doivent être au centre parce que je les ai pas vus. Hein. Bon, je vois plus le mât. C'est au cas où ça fasse apparaître les... disparaître le coffre. Faut pas arrêter la musique, sinon le coffre il disparaît. Ouais, donc du coup, ouais... Je crois que c'est le seul instrument qui fait le même bruit sous l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? 4 poules d'or. Ouais. Ok, munitions ici. Ça, c'est pas possible. Mmh.
On est sur la bonne île au moins. Bah oui, Charte Beko. T'es sûr que c'est ici, Charte Beko? Oh, oh bah, oh bah, un coffre de capitaine. Bah écoute. Sous l'eau. Ah. Bon, ça va. Il est où notre bateau? Loin. Là, le bijou qui est sur le coffre du capitaine, il m'éblouit, quoi. 1, 2, 3 cochons dorés. Allez, boum. Ah, j'ai la musique ici. Ah, le problème, c'est que ici. Ici, c'est. Boussole, côté sud-est, est-sud-est. Même plutôt sud-est, je le dirais. Oups là. Oups, aïe. T'es tout seul, toi? Banane. La banane est ton amie. Elle te fait rôter aussi. Ça serait marrant qu'il fasse en sorte que quand tu tues un squelette qui est en train de bouffer une banane, que la banane elle tombe par terre. Piti 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 piti. Ils sont en train d'arriver au coffre, je les attire au coffre. Y'a le capitaine. Là, j'ai pas la musique du capitaine. Je me bats contre les plantes. Oh. Ouh. Eh ben, je l'aime bien, style. Il y en a combien? Ah, il y en a un deuxième. Ça vient de pop, c'est des métalliques. What? Je t'ai entendu tirer trois fois. Non, 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 il y en avait deux qui m'ont tiré dessus. C'est dommage, du coup, on a. T'as utilisé le baril pour rien, non? Bah, non, non, j'en ai eu trois. D'accord. Attends, je les attire dans l'eau. Piti piti! Y'en a pas un seul qui a de pistolet, donc ça va. Hop, tout rouillé. Ah mince. Moi aussi, ah, je peux aussi le faire. Aïe. C'est pas bon. Oh putain. Oh putain. Reviens. Oh, quel dommage que j'ai plus de balles. Bah vas-y. Bah ouais, mais où? En haut de l'île peut-être? Non, mais t'inquiète, ça va aller. Chacun, ça va aller. Regarde. Non, non, mais non. Tu te sacrifies pour la cause? Non, mais viens avec toi. Ah oui, merde. Vas-y. Non, je vais vas-y. Je vais voir si je trouve des balles. J'ai entendu un gros boom. Bah ouais, deux coups d'épée dans le baril et il fait boom. Mais toi aussi, t'as fait boom, du coup. Là. Où est-ce qu'elles sont, les balles? Oui.
On est loin, c'est ça? Non, non. J'ai eu tous les squelettes d'or. Ah. Ah, punaise, je trouve pas de munitions. Sud-est. Allez, je veux des munitions. Allez, mais... Ah, on peut pas monter. Là, je savais qu'il y en avait ici, mais ça fait un peu loin quand même. T'es au centre de l'île? Ouais. Coucou Pépino, comment ça va? Coucou. Rechargeons. T'es tout seul? Ah bah ouais. J'en ai loupé un. Ah non, il y en a un deuxième. De baril? Non, de... Ah. Squelette doré. Merde, c'est bizarre. Ça pop. Peut-être par bénéfice. Oh oui. Oui. Non. Bon, bah ça a pas marché. Si, on a au moins eu la réaction en chaîne. Je suis même pas sûr. T'as cru que j'allais me laisser faire, toi? Tiens! Si, 7 sur 10. Allez, tu vas mourir! Crève! Aïe! Eh ben! Banane. La banane est ton ami. Bah écoute, ça va, Pépino. Chaud, mais ça va. Mais il en reste encore un. Elle guérit pas assez. Pa-pa-la-pa-la. Où est-ce qu'ils sont? Là, ça arrive. C'est de l'ombre. Attention, ça arrive encore. Regarde-les, ça descend. Il est tout seul. Aïe. Vas-y, viens, je les ai tous attirés dans l'eau. Ah, mais il y en a pas un seul avec un baril? Non. Chier. Font chier. J'ai va faire nuit. Pas grave, c'est pas grave. Ça y est, il fait nuit. C'est bon. J'ai la torche. Il en reste un avec un pistolet en arrière. Aïe. Ouf. Banane. J'en ai plus. Bon bah on peut ramener tout ça au bateau. On n'est pas loin en plus finalement.
C'est vite dit. Hein. Voyage terminé. Voyage terminé. Voyage, voyage. Y a pas des bananes, non? Bananes. Ouais, des bananes. 3 barils de bananes. Ils ont augmenté, je crois, le nombre de barils de bananes. Je vais chercher le dernier truc. Hop là. Il y a petit crâne qui est là. Il nous en manque un, non? Ouais, il en manque un. Ouais. Comme t'étais parti, je me suis dit que t'étais parti le chercher. Non, j'ai refait un plein de bananes. Je rejoins devant la... Ouais. La caverne avec le bateau. Yeah, ça pop. Petite balade tranquillou. C'est que des barils. Je te vois. Tu me vois plus. Bon, il y a pas ton nom, mais je vois ton ombre. Ah, ça y est, là je vois ton nom. Là je vois plus ton nom. À bord. Ça roule. Il n'y a plus qu'à voter pour savoir où on va. Enlève-toi là, je vois pas le nom. Mermaid. Ah, Mermaid. Marqué en haut. Et Wonder. Mermaid, c'est ici. Et. T'as dit quoi ? Wonder Refuge. Wonder Refuge. Là, d'accord. Demi-tour toute. Ça aurait été marrant aussi qu'ils fassent, ces genre, tu fais majuscule et droite, et ça fait comme dans les films. Ouh, tu donnes un grand coup et ça fait tourner la barre à fond. ça n'existe que dans les films. Mais ouais, mais ça serait drôle.
Puis bon, là, c'est même pas possible. Pourquoi ? Bah là, le gouvernail, il tourne par magie. Le gouvernail, il est relié à rien. Mais si, c'est dans le bois. C'est habillé. Eh oui, Pépi, il est rank 2. Ah, du coup, je sais pas. Ah, encore. Et bientôt premier. Un petit effort et tu peux y arriver. Je crois que la première dans le rank là, sur le chat, je crois que c'est Flo Wolfa. Mais elle est en train de prendre du retard en ce moment. Ça vaut un cadeau. Bah écoute, si tu passes premier, je te fais un giveaway. Le numéro de téléphone de Mel, ça va pas être possible. Ah non, c'est Mel qui est première. Je sais pas. J'ai pas le rank en tête. D'ailleurs, je l'ai eu hier ou non ce matin. Elle vous passe le bonjour. Ah. Je crois que la mermaid, je crois que c'est l'île qui est là, plein nord. Nord-ouest. C'est derrière. Hein. C'est passé là en face. Ouais, ouais, c'est celle après, mais il y a un rocher entre deux. Ça va, elle va bien, elle va bien. Elle est à fond dans son jeu. Hein. Babord toute. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Direction. Des piaf. Ouest, sud-ouest. Nord-ouest. Ouest, sud-ouest, pardon. J'ai vu. Je me disais, putain, tu la largues bientôt, l'encre. J'ai chaud. On va nager un petit peu. Je crois que je vois là un bout du navire, ouais. Ah, je vois. Difficilement être plus proche. Chambre du capitaine RAS. Où je remonte pour respirer. Je vais direct au moins 2. Coffre capitaine. Coffre naufragie. Il n'y a rien dans la cellule. Je vois rien d'autre sur le moins 2. Ok. J'ai pas fait le tour du moins 1. Mais décidément, aujourd'hui, c'est notre soirée, là. Deuxième coffre du capitaine. Plus les crânes, les beaux crânes qu'on a.
Reste à voir à combien nous ils achètent. Ouais. Je te confirme donc qu'il n'y a plus rien. Ok. Tu peux y aller. Sauf si tu veux aller choper des bananes. Non, non, c'est bon. Il y en a 50 dans le coffre. Ouais, parce qu'il y a des... Regarde à gauche du bateau. À gauche du bateau ? À bâbord. Ah. Il y a des bidons. Je vois sur toi un requin. Ah, j'ai pas vu le requin. Je suis prêt à... Je suis prêt à la mettre l'ancre. Quoi, à mettre l'ancre, à mettre la voile. Tu me dis quand t'es à bord. Go. Nord-nord-ouest. Allez hop, on est parti. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a fait du coup. Donc, détonateur de squelettes. Vous avez tué 3 squelettes à la fois en tirant sur un squelette explosif. Donc ça, je l'avais déjà fait en début de live. Celui-là, je l'avais pas fait. Détonateur de squelettes fluoraux. Vous avez tué 3 squelettes fluoraux à la fois en tirant sur un squelette explosif. Donc, il fallait en faire 3, c'est fait. Il faut faire la même chose... donc tirer sur, quoi, 3 squelettes normaux, j'en suis à 6 sur 10. Les squelettes fluoraux, j'en suis à 5 sur 10 pour la deuxième étape. Les squelettes d'or, les 2 étapes sont faites. Les squelettes d'ombre, 3 sur 10. Et après réaction en chaîne, 1 sur 1, donc ça c'est bon. Et alors celui-là c'est quoi ? Conspiration des poudres. Détruisez 5 squelettes à la fois en tirant sur un squelette explosif dans une forteresse alors qu'un équipier adverse se trouve sur l'île. Celle-là, elle va être costaud à faire. Bah pas tant que ça en fait. Faut pouvoir être sur l'île et puis ou arriver sur une île qui est déjà prise. D'accord. Ouais, mais il faut que ce soit une forteresse. Oui, oui. Active. Après, détonateur de squelette, ça c'est 12 détonations, donc ça c'est fait. Maître détonateur, c'est 42, on en est à 25. Et après, il y a les légendaires. Tuer 3 squelettes à la fois sur 50, 6 sur 50. 20 sur des forteresses. Donc 0, forcément, on l'a pas fait. Et réaction en chaîne légendaire, 6 sur 50. Wouah! On n'est pas là de les faire, ceux-là. Oui. Et ça, c'est tous les squelettes qu'on avait fait sur le tuto que je vous avais montré, que je vous avais mis sur YouTube. Salut Light, Max, comment ça va? Ça va, tranquille, merci. Un peu chaud, mais je crois que ça c'est tout le monde. Hein. Mais ça va. Je commence à réfléchir à me changer la webcam. Ça n'est vraiment pas terrible. Je sais pas si vous l'aviez remarqué pour ceux qui ont l'habitude sur la chaîne. Il y a un décalage que je n'arrive pas à régler. Il y a tout le temps un décalage. C'est très casse-pied. Et je pense que c'est dû à la webcam. Donc, puis en plus, elle n'est pas de bonne résolution. 480p. J'aimerais avoir une meilleure caméra. Calion à tribord. Ouais. Pas de crâne en vue. Non. On en est où là d'ailleurs? Ah bah c'est juste devant.
On est quasiment arrivé. Crâne en vue. Ah, ça pourrait être peut-être. Ça va être un peu short en temps, mais. Ouais. On peut peut-être essayer de voir si on peut y aller. Mais c'est surtout qu'il faudrait vider la cale. Oui, ah oui, oui, carrément. Ouais. Ah oui, le crâne est là-bas, je l'avais pas vu. On peut y aller un petit peu en version mission suicide. Tu débarques, tu t'en fous du bateau. Ah oui, bah carrément. Le seul but du jeu, c'est d'arriver à détruire 5 squelettes en une seule fois. S'il y a quelqu'un d'autre sur place. Ouais. Après, s'il y a personne, c'est toujours ça de prix. Hein. Oui. Bon. Coucou. Non. Il y a quelqu'un. Ouh. On a démarré en retard, donc on peut faire un petit plus. Oui, parce que j'avais pour vous tout vous raconter. J'allais démarrer le live sans avoir réactivé mon Game Pass qui venait de finir depuis 2 jours. Donc du coup, bah, j'ai lancé le jeu et il a dit que je pouvais pas lancer le jeu. Donc j'avais un peu l'air d'un con. Encre. Va falloir monter, je crois. Là. Va falloir grimper. Pourtant, c'est pas les. Comment dire, c'est pas les. Les trônes qu'on fait. Oui. Prendre des bananes, par contre. Des munitions. Est-ce que je garde le snipe? Non, je vais peut-être prendre le fusil. Celui-là. Ça va être un peu plus close combat que tout à l'heure, je pense. Un peu loin. Est-ce que tu as eu le droit à la musique? Non. Je les ai pas vus non plus. À moins qu'ils soient là-bas. Il n'y a pas d'échelle. Ouais, je crois que je les ai trouvés. Alors, soit ici, soit au-dessus. Je les entends. Je crois qu'ils sont au-dessus. T'es allé d'un côté, en fait, ils sont de l'autre. Oui, oui, je me doute. Alors, comment on grimpe là-haut ? C'est au milieu. Ouais. Les deux côtés. Alors ici, il y a des bananes. Je regarde si je trouve une caisse de mun au passage. Je sais qu'il y en a une en haut, mais je sais plus de quel côté. Non. Au revoir Zeb. En tout cas, t'as fait un carnage. Oui, je crois que ça a pas compté. Si. Peut-être la réaction en chaîne. Squelette de l'onde, 4 sur 10. Non, ça a pas compté. Ah, bah, j'étais trop près. J'étais trop près, ça a fait paf le chaka. Alors, vu le monde qu'il y a sur le bateau des damnés, je pense que il y a personne au crâne. Hein. Oui.
GG. C'était le seul. Ça a pas l'air. Et... Là, j'ai pas l'impression. Oui, encore la... il y a encore une petite musique. Oui, puis la carte est pas validée. Ah, si, il y aurait un équipage au, au crâne. Ah, ça va faire boum. Non. Voilà. Ça fait boum. Encore des métalliques. Ah, si, je vois. Non, non, descends avec ton baril, toi, là-bas. Descends, 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 descends. Ah putain, attends, je vais les faire monter. Pour les regrouper un peu. Il en reste 3. Et moi, il faut que je mange. Hop là, oups, pardon. Aïe. Ah, ça c'est cool ça. Tiens. Ah bah je suis mort. En fait, en courant, j'ai fait pop des blancs et j'ai utilisé les blancs pour faire péter les trucs. Ah bah si, il y a des morts. Et ils sont au squelette. Il y a un maître détonateur. Eh, je suis mort aussi. Ouais, mais t'as gagné. Quoi? Oui. T'as réussi à le tuer. Ouais, il y en a encore. Hein. Oh, c'est pas vrai. Oh, puis c'est des ombres. Oh, punaise. Je vais avoir besoin de toi. Oui, bah... J'arrive au plus vite. Aïe. Oula, 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 ils sont combien, là? Tu peux utiliser le canon, hein. Oui, je vais utiliser le canon. Ah! Non, non, non! 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 Je suis encore mort! Aïe, aïe, aïe! Ouais, j'aurais pas duré longtemps. Je hein. Fais gaffe, il y a des blancs qui sont arrivés. T'es encore en vie ou pas? Ah oui. Non, non. Aïe. Et t'es où? Je suis tout en bas, je remonte. Ah. C'est sûr, il y a un explosif avec. Putain, il me court après. Ah oh, mais non, il m'a eu encore, mais c'est pas vrai. Je croyais que c'était un ombre, mais en fait c'était un blanc, ils sont rapides les blancs. Ah, je vous avais dit que ça allait péter. Hein. Je vous ai pas dit que c'était moi qui allais péter.
Et boum. Non, non. Cours. T'es mort aussi? Ouais. Disons que alterner la lampe et l'épée et éviter les balles, c'est compliqué. C'est sûr. C'est pour ça que j'aurais voulu pouvoir rester en vie plus de 5 secondes. Et là, t'es content que la proposition de la mort coûte une pièce d'or à chaque fois. Pas compatible avec le défi. Oups, raté. Ah, tu pars à pied? Ouais. Attends-moi. Attends-moi. J'ai sauté. J'ai les jambes cassées, mais au moins j'ai pas pété. Moi j'ai pété. Alors bon, bah si c'est comme ça, moi je vais faire comme eux. D'ailleurs, je sais pas si on peut allumer, poser et se barrer. Je sais pas. 11 sur 50. Oh, il y a du monde. Ils sont où? Je me casse. On peut. Bon, en l'occurrence, ça a servi à rien, mais... Ah si. Ça nous a coûté un baril. Mais au moins, on aura testé. Aïe. Je pense que ça aura tué les secondaires en fait. Oui. Donc en fait, tu prends le baril, tu cliques, t'appuies sur X pour le déposer et tu te barres. Mmh. Et t'as 4 secondes, je crois, avant que ça pète. 3-4 secondes. Oups. Bon, bah on est bien là. Ah, il y a un truc que je voulais faire. Il reste un crâne ici. Et je voulais faire ça. Bon, je crois que j'ai le dernier crâne. Oh. Un baril tout seul. Non, il est pas tout seul.
Ah. On a lu le même livre alors. Merde, j'en ai eu que deux. Merde, Croudy. Bon, et le crâne, il est où, là? Ça a pas fait péter le crâne, je voulais voir. Il faut un baril de poudre à Golden Sand avant le 26 à 5 heures. Ah, c'est ça la mission de merde que j'ai échouée. Ouais. Où est-ce qu'on va là? Est. C'est juste à côté Golden Sand. Voilà, voilà. Bah écoutez, vu l'heure les amis, on va se quitter sur ce magnifique, cette magnifique vue, hein, n'est-ce pas? J'espère que ça vous aura plu, vous aurez appris quelques petites choses. On se retrouve du coup semaine prochaine pour de nouveaux lives. Merci d'avoir suivi, merci à Zeb d'avoir été avec moi ce soir et de reboucher le trou. Et voilà. Je crois qu'il voulait dire c'est cool. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Amusez-vous bien. À très très bientôt. Ciao ciao les amis.